En quoi? On y met une brève carte de temps, que je me regarde dans les petits กรมธรรมวิทยาหมกตำแหน่งดำดำรอบปฏิณีក្នុងកំឡុងពេលនៃសម្ដនការដាក់ឯកសារគន្លឹះកន្លងមកដោយក្រមវិទ្យាការពីក្តីលោកលោកខៀវសំផនប៉ុន្តែមុននឹងផ្ដល់វិការជូនទៅក្រមវិទ្យាការពីក្តីលោកខៀវសំផនអង្គជំរះសូមសួរជាមួយសំណួរទៅលោកខៀវសំផនសូមអញ្ជើញក្រោកខើលោកខៀវសំផន អង្គជំរះសូមសួរទៅលោកខៀវសំផនថាប្រសិនបើអង្គជំរះអនុវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលបានលើកឡើងនឹងស្នើសុំដោយតំណាងថាប្រញ្ញាអមាញ់មិញនេះថាសូមឲ្យអង្គជំរះពិចារណាឡើងវិញអំពីការផ្ដល់ពេលវេលាសមត្រប់សម្រាប់លោកក្នុងការត្រៀមរៀបចំខ្លួនហើយនឹងផ្ដល់ប្រធានបទ ជាក់លាក់ហើយនឹងបញ្ជីឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួរដែលគ្រូនឹងសួរថាតើលោកអាចនឹងសម្រេចចិត្តយ៉ាងដូចម្តេចដែរក្នុងការអនុវត្តនៅសិទ្ធិនៅស្គាមមិនឆ្លើយតបដែលលោកបានសម្រេចកន្លងមកនេះឬក៏លោកកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរចំហរពីការលះបង់សិទ្ធិឆ្លើយតបនេះទៅជាការឆ្លើយតបវិញមានន័យថាលោកមានការកែតម្រួលកែប្រែ នៅជំហររបស់លោកដែរទេប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌដូចខ្ញុំបានជម្រាបអមាញ់មិញនេះសូមជម្រាបលោកប្រធានសូមជម្រាបអស់លោកលោកស្រីទាំងក្រុមសូមជម្រាបអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលនៅទីនេះសូមជម្រាបបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្នា ដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្ញុំនៅស្ងាត់មិនមែនត្រឹមតែមកពីរឿងតឡាការមិនបានសម្រេចតាមការស្នើសុំរបស់ខ្ញុំដោយព្រះញ្ញាបានរៀបរាប់អមាញ់មិញនេះទេវាមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ជាច្រើនទៀតដែលវាចោត ឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមលើកតែមួយទេការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំអាចការពារខ្ញុំបានហើយបានពេញលេញការអនុញ្ញាតឲ្យត្រឹមតែមិនទបួរតែមរយទបួរដើម្បីនឹងធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅទីបញ្ចប់ ដើម្បីមេធាវីខ្ញុំធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅទីបញ្ចប់អានេះខ្ញុំឃើញថាវាជាការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមេធាវីខ្ញុំការពារខ្ញុំបានពេញលេញខ្ញុំសូមជម្រាបលោកប្រធានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបអរគុណបាទអរគុណតើអរលោកលោកស្រីជាក្រុមមានទំនួលអីចង់សួរបន្ថែមបន្តិចពោះលោក Pour que les choses soient parfaitement bien claires, nous avons entendu ce matin des propositions faites par le bureau des coprocureurs. Ces propositions tendaient à permettre à l'équipe de défense de Kesampan de se préparer à un interrogatoire de l'accusé. Elle concernait l'attribution de temps supplémentaire en vue de cet interrogatoire. Elle tendait également à permettre la notification préalable à l'accusé des listes de sujets qui seraient abordés et des listes de documents.
Donc j'espère que ceci a été bien pris en compte par la défense de Kyusampan. Je pense aussi que la défense de Kyusampan a également entendu la demande des co-procureurs de réitérer la décision prise par la Chambre quant aux possibles conséquences d'un refus d'exercer, un refus de répondre à des questions à ce stade des débats. Donc, j'entends par ailleurs que la défense de Kyusampan, que M. Kyusampan lui-même soutient que certains de ses droits n'auraient pas été respectés. J'aimerais qu'il soit bien clair ici, qu'on nous indique exactement quels sont les droits de M. Kyusampan et comment ces droits n'ont pas été respectés par la Chambre. Et en quoi le nombre de pages qui seraient accordées pour les conclusions finales à un rapport avec le fait que M. Kyusampan refuserait de répondre à des questions qui lui seraient posées? Bon, je vais tenter de répondre ex abrupto à l'ensemble de ces questions. Heureusement, je suis supporté par la totalité des écritures que nous avons déposées au fil des mois et au fil du déroulement de ces audiences sur ces questions. Et il y en a eu beaucoup d'écritures sur ces thèmes. Je m'apprête d'ailleurs cet après-midi, si la Chambre ne me coupe pas le micro, à parler. Alors voici un des thèmes qui, à notre sens, est une violation avéré des droits fondamentaux de M. Kyusampan. Vous avez fixé un seuil de recevabilité des documents dans ce procès extrêmement bas, c'est-à-dire un seuil prima facie. Les audiences sur la recevabilité des documents de ce procès se sont déroulées à quatre reprises. Des milliers de documents ont été déclarés ainsi recevables, quasiment prima facie. Je donne un seul exemple, les notes de bas de page de l'ordonnance de clôture qui ont été considérées comme bénéficiant d'une présomption d'authenticité sous le prétexte qu'elle figurait en note de bas de page de l'ordonnance de clôture. Lors d'une audience, Monsieur le Président a même indiqué que, enfin tout de même, il s'agissait de documents qui avaient été évoqués au cours de l'instruction et qu'à partir de là, il était bien normal de les déclarer recevables comme tels immédiatement, sans discussion. Soit. Ensuite, en parallèle de ces audiences sur la recevabilité des documents, votre Chambre a considéré qu'il était nécessaire pour l'édification du public d'organiser des audiences que vous avez intitulées « Audiences sur les documents clés ». Vous nous avez précisé que ces audiences, il y en a eu au total 4 à ce jour, ne devaient pas porter sur la recevabilité, bien évidemment, puisque les audiences sur la recevabilité avaient lieu de manière séparée. Et ensuite, vous avez commencé, pour les 3 premières audiences, à nous dire qu'on ne devait pas non plus parler de la valeur probante des documents qui étaient présentés par les parties lors des audiences sur les documents clés. Les avocats n'avaient d'ailleurs, lors des 2 premières audiences, pas la parole. C'était clair. Pas un mot.
seuls les accusés l'avaient éventuellement. Et puis, nous avons assisté à une progression de ces audiences relatives aux documents clés. On nous a dit, petit à petit, que troisième audience, nous aurions une sorte de droit de réponse. Mais attention, pas n'importe quel droit de réponse. Et nous l'avons bien vu hier, tout en nous disant que nous pouvions évoquer la valeur probante des documents clés présentés par les partis. La Chambre a interdit à mes confrères pour Nguyen Chia de parler de l'authenticité des documents, de mettre en perspective les documents présentés par les procureurs et les partis civils à l'aide soit d'auditions de témoins à la barre, soit de documents historiquement intéressants, soit en évoquant leur propre travail effectué dans des requêtes écrites déposées devant cette chambre. Bref, en réalité, nous estimons que ce glissement, qui constitue finalement une sorte de piège et qui consiste à nous dire lors de la dernière audience sur les documents clés que vous pouvez parler, disons, je cite ce disons parce qu'à mon avis, c'est la bascule, c'est le moment clé justement de cette, il faut bien dire les mots et les désigner comme elles sont, de cette manipulation, eh bien, c'est lorsqu'on nous dit, vous pouvez parler, disons, je cite Madame le juge Cartwright, de la valeur probante. Bien évidemment, nous avons vu hier que ce débat n'a rien à voir avec un débat contradictoire sur la valeur probante. Et pourtant, dans le même temps, lors du mémo préalable à l'audience de mise en état du 13 juin 2013. Monsieur le Président, dans ce mémo, nous a écrit qu'à partir du moment où nous refuserions, nous, équipe de Thieu Sampan, de participer à ces audiences sur les documents clés, la Chambre, donc, je reviens en arrière puisqu'on me dit que je vais trop vite. Dans un mémo qui a été transmis au parti avant l'audience du 13 juin sur les documents clés, M. le Président a écrit que si la défense de Khieu Samphan refusait de participer aux audiences sur les documents clés, je cite de mémoire, et c'est cela, la Chambre serait en droit de refuser toute augmentation du nombre des pages du mémoire final et toute augmentation du temps des plaidoiries. D'ailleurs, de manière à fermer totalement ce piège, eh bien, au paragraphe 10 de ce mémo, je viens de citer le paragraphe 6, j'évoque maintenant le paragraphe 10, Monsieur le Président écrivait également que de toutes les manières, le nombre de pages des mémoires finaux et la durée des plaidoiries ne seraient jamais modifiées. Alors, la question que nous posons, c'est quand est-ce que le débat contradictoire prévu à l'article 87 de votre règlement, eh bien, aura-t-il lieu? Comment, en 100 pages de mémoire et en 9h40 de plaidoirie, allons-nous pouvoir défendre M. Khieu Samphan sur les 20 mois de procès qui se sont déroulés devant vous, sur les 92 témoins et experts qui ont défilé à la barre et sur les 6500 documents qui ont été acceptés en preuve et qui représentent des dizaines de milliers de pages. Nous ne pourrons pas le faire dans le mémoire final en 100 pages, nous ne pourrons pas le faire dans ces plaidoiries de 9h40. Et la conclusion que nous sommes amenés à en tirer, parce qu'il y a un moment où, effectivement, nous faisons confiance au départ à votre chambre et nous n'interjetons pas appel de ces décisions disjonctives,
l'instruction et nous demandons un délai raisonnable et nous demandons à pouvoir parler et s'exprimer dans des conditions acceptables qui sont celles qui sont appliquées par toutes les juridictions internationales. Mais il y a un moment où il faut bien tirer la conclusion de ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire que dans la réalité, la défense de M. Che Sampong est muselée. La défense ne pourra pas s'exprimer. Le débat contradictoire sur ces dizaines, voire ces centaines de milliers de pages, cette centaine de témoins et d'experts, et toute cette discussion n'aura pas lieu. À partir de là, sommes-nous encore vraiment devant un procès, ou peut-être, comme nous l'a expliqué les parties civiles et le procureur il y a quelques instants, à une conférence internationale sur le Kampuchea démocratique où M. Che Sampong serait invité à s'exprimer et à, sans absolument encourir aucun danger, donner son opinion sur ce qui s'est passé il y a 40 ans. Je crois que cela est très clair pour nous. Je le dis ici en résumé et nous l'avons exposé à de multiples reprises. Nous l'avons jamais dissimulé notre position. Nous avons toujours posé les points sur les i et annoncé très exactement où nous allions, ce que nous voulions et quelle était notre analyse. Aujourd'hui, le procès se termine dans une ou deux semaines. Le moment est forcément venu de tirer des conséquences des décisions que vous avez prises. Nous les tirons. Vous tirerez les vôtres. Fin d'histoire.
Sống chơi lục đầm nang thạp bình nhé. Sống chơi lấy cho bạn hỏi. I'm grateful, Mr. President. I will be very brief. I rose because I want to correct the record in the interests of calling a spade to quote my friend. I do want to make sure that the record is clear, both over in the courtroom and for the public. What your honours are being treated to here is a complete and utter charade. You are presented with a series of false explanations and excuses, supposed breaches of fair trial rights. You are accused of engaging in manipulation and placement of traps. None of this is any basis in reality whatsoever. And to address a couple of the specific points. Firstly, my learned friend alleged that your honours had admitted documents referred to in the closing order without permitting debate or objections. That is plainly false. Your Honours indicated that documents referred to in the closing order are entitled to a presumption of reliability. But in relation to all of those documents, Your Honours permitted the defence to make written and oral objections, which they did. Your Honours heard the objections in a series of extensive hearings, Your Honours heard our responses and then decisions were made in relation to admission. So that claim is simply not true. It is not based in fact. As to the opportunity to make responses to documents, if my friend takes the issue with additional directions being given or if he notes those additional directions being given to make submissions of probative value, then it was open to him to take the same course that our learned friend's counsel for Nguyen Chia took. They have been given time. They were asked to provide estimates of time that they need to make their responses. That time has been allowed. And so the claim that they've been prevented from speaking or engaging in adversarial debate is again simply false. It is an untrue statement. As to the extension of the final trial brief, we see absolutely no relationship between a limitation on the length of the final trial brief and an accused's decision as to whether or not he wishes to testify, assuming he genuinely wishes to testify, a position which surely now has been negated. Now, 100 pages for the defense, 200 pages for the prosecution in relation to two accused. How does that amount to a breach of any right? How does that disturb the equality of arms? If anything, if the accused takes the view that a limitation of pages impinges on his ability to present his case, well then, here is the perfect opportunity before Your Honours and before the parties and before the people of Cambodia to whom Mr. Khieu Samphan has pledged a promise to give responses to the allegations. Here is an opportunity to state his case and respond to questions and give his versions of the facts. They have not been gagged. Every procedural right has been respected. Meeting international standards and in our respectful submission going well beyond to ensure that this accused and his counsel were able to state their case and that they were able to respond to the allegations. Your Honours are being presented with a false series of excuses. If the accused wishes or has elected to not testify, then that is his right. Our position is that it is not a legitimate exercise of a right to remain silent for the reasons that I stated. But if he does not wish to answer questions, that is his right, and he can stick to that right. But it is disrespectful to this court, it is disrespectful to Your Honours, and it is a complete misstatement of the record to allege that somehow this decision is based in supposed procedural breaches of which they have been made. Those are our respectful decisions.
Yes, thank you, President. The chamber has heard the various arguments on the question of whether Khieu Samphan wishes to exercise his right to remain silent, and it understands that he is declining to answer questions, even were the trial chamber to agree to the suggestions made by the prosecutors to allow more time for preparation. Instead, he is claiming some breach of his fair trial rights. However, the chamber has afforded Khieu Samphan and his defense team precisely the same opportunities to respond to all issues at trial, and it does not accept this is a reason for declining to exercise his right to remain silent. For exercising his right to remain silent. Now, the point has now been reached where Khieu Samphan or his defense team has the opportunity, which was scheduled and notified some time ago, to comment on the key documents presented by the prosecutors or to raise their own key documents. And the President has asked me to invite the Khieu Samphan defense team to begin that presentation. Thank you, President. Alors, la première chose que j'ai l'intention de faire consiste à répondre à une requête orale qui a été faite par les coprocureurs au cours de l'audience du 24 juin 2013, qui était consacrée à la présentation des documents clés. Et cette requête orale, présentée par M. le procureur Kate Reynor, consistait à solliciter que le document Cambodia Fact Sheets daté du 17 mars 1975 qui aurait été préparé par le Conseil de sécurité nationale américain pour un certain Bill Kendall soit accepté, soit déclaré recevable en vertu de la règle 87-4 du règlement intérieur. Le document présenté par le procureur porte la cote D366-7.1.366. À l'audience du 24 juin, ma consoeur Antagissé, également conseil international pour M. Khieu Samphan, s'est opposé à la présentation de ce document qui n'avait jamais été versé au débat et qui justifiait le dépôt d'une requête sur le fondement de 87.4. Le procureur a reconnu qu'il s'agissait effectivement d'un nouveau document et il a demandé l'autorisation de formuler une demande orale tendant au versement de cette pièce. Et la Chambre a autorisé le procureur à présenter sa requête oralement. Vous nous avez informé que nous pourrions y réagir plus tard. Voilà ce qu'a dit
le procureur à l'audience du 24 juin. Je cite la page 85-86 de la version française non révisée, pardon, et les heures sont de 15h10 à 15h12. Voilà ce que dit le procureur. Ce document n'est pas dans les notes de l'ordonnance de clôture, ni dans les observations finales, ni dans la liste en application de la règle 80. Tout ce que je puis faire, c'est demander à présenter ce document en application de la règle. Je vais faire bref parce qu'il cite une mauvaise règle au départ, 87.4, car cela va dans l'intérêt de la justice. En résumé, dans ce document, continue le procureur, il y a 15 exemples sous l'intitulé, ouvrez les guillemets, terreur communiste pardon, au Cambodge. Il y a des exemples de transfert forcé et d'exécution, et c'est classé par référence à des récits de réfugiés et par articles publiés dans le Washington Post, le Chicago Tribune, le Christian Sales Monitor, le Washington Star News, les rapports de l'ambassade américaine et un journal laotien. Selon nous, poursuit le procureur, ce document est particulièrement pertinent dans le cadre de ce procès. J'espère que j'ai ainsi posé les fondements de la requête faite par l'accusation à ce stade. Fin de la citation. Alors aujourd'hui, nous opposons à la demande orale du procureur, et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la demande formulée par le procureur à l'audience du 24 juin 2013 n'est pas conforme aux règles de présentation d'une telle demande que vous avez édictée. La seconde, c'est que les critères de recevabilité exigés définis par la règle 87.4 du règlement intérieur ne sont pas remplis. Première partie, donc, la demande formulée n'est pas conforme aux règles de présentation édictées par la Chambre. Je rappelle ces règles. Les demandes présentées sur le fondement de la règle 87.4 doivent être présentées à l'avance et non à la dernière minute. Deuxième règle, ces demandes doivent être présentées par écrit et non à l'oral. Troisième règle, le document dont le versement au débat est demandé doit être disponible dans les trois langues officielles des CETC. Alors, sur le délai, je citerai une transcription du 18 juillet 2012, code E1, barre de fraction 91.1, page 6 et 7. Voici ce qui est dit. La Chambre a déjà indiqué que tout document dont les parties avaient l'intention de se servir au cours des débats et qui n'a pas reçu une cote en E3 ou qui n'apparaît sur aucune liste de documents proposés pour être versés au débat doit alors répondre aux conditions énoncées à la règle 87.4 du règlement intérieur. La Chambre a aussi déclaré que, conformément aux principes établis en matière de procès équitable, la condition minimale pour pouvoir se référer à un document qui n'a pas encore été versé au débat ou dont le versement au débat n'a pas encore été demandé est donc de présenter, en temps utile, une demande de versement au dossier de ce document ou de demander sa production au débat, conformément aux dispositions de cette règle. Je voudrais citer également, au soutien de cette première citation, un extrait du mémorandum de votre Chambre du 3 août 2012 qui porte la cote E218, et je vais citer un passage du paragraphe 22. Ce mémorandum est intitulé « Organisation d'une réunion de mise en état
en vue de programmer les phases restantes du premier procès. Et le passage que je voudrais vous citer est le suivant. Les demandes présentées à la dernière minute sur le fondement de la règle 87.4 du règlement intérieur seront désormais tout simplement rejetées. Fin de la citation. Vous avez à plusieurs reprises appliqué cette règle, notamment à l'occasion d'une demande présentée une semaine avant la comparution d'un témoin. Ce rejet apparaît à la transcription des audiences du 8 août 2012, cote E1, barre de fraction 104.1, page 2. Et 3. Et vous avez également rejeté à l'audience du 3 octobre 2012, cote E1, barre de fraction 129.1, page 78-79, une demande qui était présentée à la veille de la comparution d'un témoin. Enfin, vous avez rejeté une demande présentée le jour de l'audience. C'était l'audience sur la demande de mise en liberté de M. Kyosampan. Et il s'agissait des extraits du livre du juge d'instruction, M. Marcel Lemonde, dont on nous a faussement indiqué tout à l'heure de l'autre côté de la barre que ce livre avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet pour interdire à mon confrère Sonarung de le mettre en perspective avec d'autres documents. Alors que cela est bien évidemment faux. Nous n'avons pas de décision officielle de notre chambre rejetant la demande que j'avais formulée de production de cet ouvrage qui me semble essentiel pour discuter de la valeur probante, justement, nous y revenons, de la valeur probante des différents éléments collectés pendant l'inscription et sur les conditions dans lesquelles ça a été collecté. Nous n'avons pas encore, à ce jour, à une ou deux semaines de la fin de ce procès, de décision à ce sujet. Nous avons simplement un tableau dans lequel un juriste hors classe, sous les instructions de votre chambre, annonce que cette requête sera rejetée. Donc, c'est mon troisième exemple. Ce jour-là, la demande avait été présentée préalablement, je l'ai réitérée à l'audience, rejet. J'en viens maintenant au caractère nécessairement écrit de la requête sur le fondement de 87.4. Je vais citer une transcription d'audience du 23 mai 2012, cote E1, barre de fraction 75.1, page 25. C'est Monsieur le Président qui parle. Je vous cite, Monsieur le Président, j'aimerais dire que pour la présentation d'un nouveau document à verser au débat, il faut présenter une demande par écrit. Conformément à la règle 87.4, la Chambre ne se prononcera pas sur toute demande qui n'est pas présentée par écrit à ce sujet. Fin de la citation. Et je passe maintenant à une citation de l'audience du 24 juillet 2012, cote E1, barre de fraction 95.1, page 119. C'est Madame le juge Cartwright qui parle et qui dit, je cite, « Merci, Monsieur le Président. » Ceci étant dit parce que Monsieur le Président vous donnait la parole. Et Madame Cartwright continue, je cite, « Vous devez présenter votre demande par écrit. Et un des motifs pour lesquels nous vous demandons une demande écrite, c'est que l'article concerné, la pièce, dont la recevabilité était sollicitée,
est dans une seule langue. Et il sera impossible de prendre une décision avant qu'un tel document ait été traduit, de sorte à ce que toute la Chambre puisse en discuter et prendre une décision. Fin de la citation. Et j'en viens maintenant à la troisième condition concernant la disponibilité du document dans les trois langues officielles des CETC. Je fais référence pour l'examen de cette condition à votre mémorandum intitulé « Liste des témoins cités à comparaître lors des premières phases du procès, délai de dépôt des exceptions d'irrecevabilité des documents et pièces à conviction et réponse à la demande E109/5 ». Fermez les guillemets, il s'agit d'un mémo daté du 25 octobre 2011, code E131/1, page 3. La Chambre a établi dans ce document que, je cite, les documents produits au procès devraient normalement être disponibles dans les trois langues officielles des CETC. Bon. Il incombe à la partie demandant à verser un document au débat de s'assurer de sa disponibilité en temps voulu dans toutes les langues officielles des CETC. Plus loin. Il est écrit. La Chambre a demandé à toutes les parties d'indiquer quels documents elles souhaitaient produire durant les premières phases du procès et de veiller à ce que ces priorités soient communiquées à l'unité d'interprétation, probablement à ce que ces documents soient communiqués, s'il s'agit d'une erreur, donc je reprends, à ce que ces documents soient communiqués à l'unité d'interprétation et de traduction en temps utile. Point. La capacité d'utiliser un document par la partie qui souhaite le verser au débat se trouvera limitée si, en raison de manquements imputables à cette dernière, il s'avère impossible de faire traduire ce document en temps voulu. Fin de la citation du mémorandum E131/1. En l'espèce, donc, je résume, la demande formulée par les coprocureurs à l'audience du 24 juin 2013 a été présentée à la dernière minute, c'est-à-dire le jour même de l'audience, et alors le document dont le versement au débat est demandé n'est disponible qu'en anglais pour ces 26 pages au total. Et donc, au vu des règles édictées par votre chambre et que je viens de rappeler, la demande du procureur doit être tout simplement rejetée. Mais aussi, et encore, cette demande doit être rejetée car les exigences fixées par la règle 87-4 du règlement intérieur ne sont pas satisfaites. Les critères de recevabilité exigés par cet article ne sont pas remplis. Je le cite, l'article en question. En cours de procès, la Chambre peut d'office ou à la demande d'une partie convoquer ou entendre toute personne comme témoin ou recevoir comme tout nouvel élément de preuve qu'elle estime utile à la manifestation de la vérité. Les parties sont tenues de motiver pareille demande. La Chambre se prononcera sur le bien fondé de celle-ci en appliquant les critères énoncés à l'alinéa 3 de la présente règle. La partie requérante doit également convaincre la Chambre que le témoignage ou l'élément de preuve sollicité n'était pas disponible avant l'ouverture de l'audience. Fin de la citation. Au vu de cette règle, donc, une demande sur le fondement de cet article doit non seulement être motivée et démontrer que toute la diligence voulue a été exercée. Enfin, le document doit remplir les critères de recevabilité de la règle 87. 3. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Tout d'abord, je parlerai, sauf si vous souhaitez que je le fasse après la pause, car je vois qu'il est midi, Monsieur le Président, et j'en ai encore un petit moment.
អរគុណលោកមេធាវីឥឡូវនេះដល់ពេលសំប្រោបសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ណការប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំនៅខាងក្រោមសាកសម្ណការនេះហើយនឹងប្រកបឲ្យរួមក្នុងសម្ណការនៅក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 6:30 នាទីសម្រា